Sans les motards, on a mis la double couche. C'est comme l'ovomaltine, moi, où je me sens le mieux. J'ai un petit train en bois. C'est quoi que t'as pas compris? Oh, regardez la marmotte! Là, le lièvre et la tortue, partie 36. Yep, 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 bien le bonjour à toutes et tous. Voilà le quatrième jour et dernier jour de notre petit road trip. Direction le col routier le plus haut d'Europe, c'est-à-dire le col de l'Iseron. Ben, toujours avec jus d'orange autrichien et puis le pot de moutarde allemand derrière. Salut les gens. Qui a des envies de se reproduire avec une catoche. Obligé. Alors on a passé une nuit assez sympathique dans un petit hôtel où il y avait un parking pour les moteurs, mais c'était juste exceptionnel. Et je crois que les Italiens, ils sont vraiment sympas bonnards pour l'accueil. Je crois qu'ils sont contents de voir des petits touristes. Puis ben, en tant que touriste, ça fait plaisir qu'on aime bien nous voir. Un gros quoi 4. On est parti un peu à la fraîche ce matin parce qu'ils annoncent de la pluie depuis 11h au midi. Alors on s'est dit on décolle assez tôt. Ce qui était cool, c'est que l'hôtel il faisait le petit déjeuner à partir de 6h30. Donc on a pu être sur la route tôt, voir les marmottes et les lièvres. C'était plutôt sympa. L'ours blanc. Alors go pour le col de l'Iseron. T'as décidé de plus rien dire aujourd'hui. Hein? Non mais ça va venir. Enfin je pense, je sais pas, là je me concentre. Je réfléchis à ce qui m'attend. Ah ouais. Bah sûrement un peu moins de vélo que hier. Bah moins c'est pas difficile, parce que du coup vu la quantité qu'il y en avait, c'était la fête du mollet dur. Yep. Peut-être que la région veut ça aussi. Non, mais je crois que les Français, ils aiment bien le vélo. Bah oui, puisque dimanche, tous les cols, ils sont fermés pour permettre aux mollets durs de faire de la grimpette de col tout seul. Enfin, pas tout seul, parce qu'ils sont beaucoup, mais... sans les motards. Salut la vache. Oh bah dis donc, elle a les yeux fatigués. Ouais, bah on a peut-être parlé un peu vite. Je crois bien. Oh, joli, 1, la 2, petite 3, maison 4, là. 5, 6, 7, 8, 9, déjà 10 francs. Hop. Bon, bah, je crois que je vais me retrouver tout seul, quoi. Vous êtes courageux, les gens. Courageux, courageux, courageux. Bon, là, il fait frais, alors c'est un peu plus... On a mis la double couche. 31 km, il dit... Combien ? 31 km sur la même route. 31 ? Puis là, il y a un super camion. Alors, il fait 13 degrés. On verra en haut combien il va faire. Ah putain, super catoche. Pour faire des dépassements énergétiques, c'est comme l'ovomaltine, c'est de la dynamite. Ah, mamie, 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 mamie blue, mamie yellow. Oh, joli glacier là-bas. On va faire, sur ces 4 jours, on a fait 1300 km je crois. C'était pas mal quoi. Par contre, on a vraiment pas été gâté par le temps. Et ben ça, c'est bien dommage. Putain, mais c'est monstre beau, quoi. J'adore, quoi. Autant mes paysages préférés, c'est les montagnes. Et puis, mais j'adore aussi le Sahara. Tomber amoureux du Sahara. Le Sahara, c'est le deuxième endroit où je me sens le mieux. Après les montagnes. Ils s'en font un peu, hein, mais... J'aurais constaté que moi c'est plutôt hâte-toi lentement. Et puis l'homme à la catèche c'est plutôt hâte-toi à vitesse normale. 30 km/h. Non mais tu te fous de ma gueule, c'est tout droit. Une petite rivière pour se laver les pieds. Via Ferrata, c'est pas pour moi. Bon, ben, vous constaterez que du coup c'est pas le bon tour à personne. Oh, dites à moi. C'est joli ces petites maisons. Voilà, je commence le col. Col de l'Iseron. 8h30, c'était écrit un truc. Ça fait trois fois que c'est écrit puis que je peux pas lire. Partageons la route. Ouais, alors ça, des fois, faudrait le dire au véloteux. Hein. Bon, c'est parti. Il y a des caca, des animaux sur la route. Ce que je trouve sympa chez l'école française, c'est qu'ils ont leur petite borne
qui te dit encore tant de kilomètres, encore tant de kilomètres. Là-bas en bas, ça veut dire que tu es un certain nombre de virelais plus haut que moi. Ah. Ah oui, tu clignotes. Ah non, c'est un vélo qui clignote, tu peux pas me voir. Et puis... Donc voilà, monsieur photo s'est encore arrêté pour faire des photos. Ah, je crois que je te vois éclairer avec ton phare à la Transformers. Allez, tu regardes loin où tu veux aller. T'es tourné, ça va tout seul. Moi, je crois qu'il y en a quelques-uns comme ça, pas le choix. Dans une autre vie, quand il n'y aura plus de moteur, je serai vélo de... J'aimerais parler quoi dedans. Oui, dans une autre vie, du moteur. Oh, wow. Avec le soleil, ça brille, c'est trop beau. C'est ça, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de monter, mais au final, c'est toujours des jolies choses qu'on voit. Tout poilu. Girl power. Ranger girl. Girl on slow bike. Oh. Même si je vais doucement, moi je vois que pas les marmottes, parce que lui, il leur a fait peur. J'ai vu des voitures. Et puis, il n'y a même pas de barrière. J'avais pas vu jusqu'à maintenant parce que j'étais de l'autre côté. J'aime pas ça. Et ça, c'est haut. Bon, la route du vertige, c'est encore plus la route du vertige, ça. Bon, j'ai dit que c'était cool les bornes. Ça vous ferait cac de m'en remettre une pour me dire à peu près où c'est que je me situe dans cette... Mais je veux pas monter là-haut, hein. Kilomètres. 8 kilomètres à pied. Ça use, ça use. Yep. Ça se trouve quand même un peu, hein. En avance, je suis à 2200 mètres. Oh, il faut encore 10 degrés. Ah, pourquoi tu t'arrêtes? Je sais pas. Ah, il y a de fortes chances que celui-là il tourne parce que je vois la route là-haut. Un poilu bail. Un autre poilu bail. Un tas de poilus, bah, et... parce qu'il n'y a pas beaucoup de poilus garde. Franchement, il y en a quelques-unes. Pas beaucoup. Bon, alors je vous préviens, tout de suite, j'ai mieux être de l'autre côté de la montagne. Hein, parce que du coup, oh, c'est à cause de la neige qui met pas de barrière. Peut-être. C'était tout là-bas en bas. Oui, oui, oui. Ah, ben j'entends de nouveau un troupeau arriver. Allez-y. Allez-y, allez-y. Merci, merci, merci. Ben alors, les Allemands, vous êtes trop polis. Prochaine fois, je vous emmerde et puis je roule à deux à l'heure et puis je vous laisse pas me dépasser. Et puis tu verras si t'es content. Putain. Dis pas des gros mots. Tant bien. Moi, je m'en fous. Amante. Presque les vélos, ils montent plus vite que moi. Je m'en fous, je regarde à gauche, à droite. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Juste de l'herbe qui pousse, même pas de fleurs. Faut que je ferme ma bouche parce que du coup je fais de la buée. Et comme j'ai pas de grosses trucs devant moi, des bulles, moi je peux pas rouler avec la visière ouverte. Avec la gueule ouverte, oui, mais pas avec la visière. Parce que après je me prends plein de trucs dans la figure. On va là-bas. Mon petit pain de moutarde dijonnais. Vu comment ton ancien propriétaire y roulait beaucoup avec toi, t'es jamais monté aussi haut. Je vais finir par t'apprivoiser. Indique. On va y arriver. Et, oh là là, c'est joli.
fait 9 degrés, ça va. J'avais peur que ça gèle ce matin. Oh là 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 là, circulation alternée, je vais me taper un feu là au milieu. Non mais allô, ça c'est quand même magique. Bah tant pis, on va se faire le feu, de toute façon on n'a pas le choix. Et où ce feu 50? Ah bah merde alors, juste. Ouais bah vous pouvez y aller, parce que moi je suis pas très rapide. On dirait qu'elle ressemble au matin qui était à l'hôtel ce matin. En fait, on n'a pas le droit d'avoir la musique quand on fait des vidéos, parce qu'après YouTube, il dit non, 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 si je chante. Vu qu'on ne peut pas reconnaître que je chante, on ne peut pas dire non, non, t'as pas le droit. Mais après, pauvres gens qui doivent écouter ça, salut poilu, t'es gentil, tu dis bonjour. Par contre, j'ai vu des foufous arriver. Hop, hop, Catlage Bay, GS Bay. Et puis, moi, je dis qu'en haut, ça intéresse, vous drainer, parce que j'aime pas rouler dans les cailloux. J'ai un petit train en bois qui ne va... Ah ouais, j'ai une petite GS, pas en bois, qui ne va pas vite parfois, mais elle va partout, sauf dans les cailloux. Enfin, c'est pas la moto qui va pas dans les cailloux, c'est le chauffeur. Tchou, mais toi, t'es gentil, t'as dit bonjour avant tout. Et puis alors, la route est à tout le monde. C'est quoi que t'as pas compris dans la route est à tout le monde? Parce que du coup, hein, je vais bientôt arriver en haut. Waouh. Putain, il y a des gens qui viennent skier là, ils partent depuis où? Puisque c'est fermé, télécab, c'est pas très écolo. Aïe, oh, regardez la marmotte! Vous avez vu? Je peux pas savoir, mais j'espère que oui. Trop cool. L'avantage d'être un peu long. Ou à la marmotte, à l'oiseau. Putain, il doit se lipper les couilles, cet ennemi. Il se pèle les ailes. Pauvre petit oiseau. Oh, oh là, je sens le froid. J'aurais dû mettre mon tour de cou. Site classé. Next stop. Next stop, quoi. Ça veut dire que du coup, je suis en haut. Je suis en haut. Ouais, je suis en haut. Coucou.